Et bonjour YouTube! Allez tout le monde, bonjour YouTube! Bonjour YouTube! Ah tiens, il y a Jocelyne qui passe devant, j'avais jamais fait gaffe, tiens. Et bienvenue sur ce let's play de. Evil Within, souvenez-vous, on est dans les DLC. Mais du coup, je vais dans charger partie ou contenu téléchargeable directement? Il faut que je retourne dans. Voilà. On avait commencé le premier DLC, The Assignment. Dans lequel on joue le rôle de Nicole qui n'a pas d'armes et qui a juste une lampe torche et qui doit éviter les ennemis. C'est très en mode le gameplay de Ashley Graham dans Resident Evil 4. Décidément, ce sacré Evil Within fait vraiment penser à beaucoup d'autres jeux. Alors, on a vraiment un peu l'impression que c'est un peu comme un film de Tarantino en fait. C'est un espèce de patchwork de tout un tas de références. Voilà. Salut YouTube, beat. Jeannot et les syndromes de l'imposteur, une grande histoire d'amour. Mais je me soigne, hein, je vous jure, je me soigne. En plus, j'ai un traitement. Je me mets des claques dans la gueule tous les matins en me regardant dans le miroir, en me disant que je suis le meilleur et que je suis le seul légitime à parler de même sur tout l'internet et que c'est moi qui sais et les autres sont des connards. Et voilà, j'essaye, hein, mais... Tu es la chaîne que je sponsor. Bientôt plus, pas pour rien. Mais je ne te remercierai jamais assez, coach. C'est vrai que tu es le principal sponsor de la chaîne. Mais j'espère que ça ne va pas dégoûter d'autres gens. il faut laisser la place aux autres dons aussi. Parce qu'après les gens vont se dire, bah, c'est pas grave, il y a coach qui va donner de l'argent, donc je vais pas donner. La différence avec du Tarantino, c'est qu'il n'y a pas de plan gênant sur les pieds. On n'en a pas encore vu, je dirais. On est dans les DLC, alors attention. Oh, il y a quand même... Kidman, elle a quand même des talons aiguilles. C'est quand même une meuf qui fait de l'action policière et tout ça, et qui court en talons aiguilles. Hein. Je dirais, elle a même pas des talons tactiques comme Black Widow, hein, c'est des talons aiguilles. Donc, il y a quand même un petit chouïa de fétichisme quelque part. J'ai l'impression. Avec la pluie, on voit au travers des vêtements. Donc on continue, je sais plus du tout où on était. J'ai complètement oublié. Le son du jeu doit être assez fort, je pense. Ah, j'ai appelé Pierre Coach. Oh, je suis désolé. Ah oui, alors oui. On avait le chat. Il y avait le chat. Je sais plus. Est-ce que j'avais été dans l'ascenseur ou est-ce que je venais d'où? Je crois que je venais des escaliers, hein, on est d'accord. Hein. Administration. Ouais, c'était ça. Comment on allume la lampe torche déjà? Alors attendez, il faut que je me remette le gameplay. Voilà, on fait comme ça. Ça c'est pour... Voilà. Ah, coup de pied. Allumer la lampe. Allumer la lampe torche, je vais allumer. Mais putain. Ah, voilà, c'est ici. Ok. Donc on prend le... Voilà, on y va. J'espère que le son est assez fort chez vous. Il faut que j'augmente un petit peu mon retour. Voilà. Chose qui semble irréelle, mais vous devez vous concentrer. Il vous faudra un moment pour prendre vos repères. Mais vous y arriverez mieux que les autres. En parlant des autres... Comme je vous l'ai dit, ils sont superflus. Ils n'ont aucune incidence sur cette mission. S'ils s'avèrent gênants, vous savez quoi faire. Un coup de talon aiguille. Trouver Leslie et le ramener. C'est tout ce qui compte. Trouver les slips et les ramener. Tout ce qui compte, c'est les slips. Il y a un ordinateur. On peut se cacher. On peut ramper. On peut pas passer par là.
Ça sert à rien. Ah. Merde. C'est pas sympathique, ça. Merci beaucoup, Batage, qui envoie les zigs. Merci énormément pour ton abonnement. Ça soutient fortement, ça fait plaisir. Et après, on peut manger. Et c'est bien de manger. Ouh. Les serveurs de l'hôpital. Ok. Bon, bah, c'est parti. C'est parti pour... Et là, il y avait rien. Non. D'accord. Go. Un petit pas de plus vers la carte graphique. Merci beaucoup. Ça partira dans la nourriture avant tout. Hein. Je te le cache pas. Enfin. Ça m'étonnerait que quelqu'un vienne m'aider. Enfin, il y a 50% qui vont aller à Jeff Bezos, bien sûr. Et sur les 50% qui restent, il y a 22% qui vont aller à l'URSSAF, bien entendu. Hein. Donc, ce qui me restera, bah, ce sera pour manger. Ah merde, on peut pas passer en fait. Pourquoi je peux pas passer? Il faut peut-être que je fasse un truc avec ça. C'est vrai qu'on peut... On peut marabouter les trucs. Ah c'est ici, d'accord. Merci pour les grosses bites, ça tombe bien, il adore ça. Oh, coucou Nicolino, comment ça roule? Merci pour les 50 grosses bites. Pour l'homme qui prend pas de vacances. Ah, c'est Julie! Je crois que c'était Nicole, moi. C'est vrai que il est fort probable que ce week-end, en plus, je bosse. Jeff Bezos pourra s'acheter une CB, une CG. Merde, je roule sur quoi? Ah, rien. Sur l'or? Non. C'est ouvert là, alors, du coup. Ouais, c'est ouvert là aussi, non. Alors. Est-ce qu'on peut les... Genre les achever? Non, on va pas le faire. Pourquoi? Il n'y a rien. Ça alors. C'est le jeu du rien, ce DLC. Alors sûrement, c'est pas très la bientitude. Ouais, là sûrement, c'est pas très la bientitude, c'est vrai. Surtout que j'ai pris l'habitude de ne plus me surmener. Mais il faut que je fasse des trucs quand même. Il faut que ça avance un petit peu. C'est quoi ce bruit? Ah, il y a quelque chose qui mange, visiblement. Excusez-moi, monsieur, je vous passe dessus. C'est où? Ça mange plus. Ça mangeait, mais ça fait plus le bruit du manger. Tata Jojo valide le week-end de travail. Mais elle est pas là, Tata Jojo. C'est justement parce qu'elle n'était pas là que du coup je vais m'ennuyer, donc je vais travailler. Elle fait pas comme Batman, elle peut pas arracher les canalisations. Ouais. Je vais tout dire à Tata Jojo. Ah, je fais comment? D'accord, on va par où? Oh putain.
peut-être aveugle. Effectivement, ils sont aveugles. C'est plutôt une bonne chose. Aïe, mais tombe pas comme une merde. Bon, ça va, ça s'esquive. Doucement. C'est quoi ? Ok. Oh, putain, il y en a partout, c'est dégueulasse ce truc. Oh putain. C'est un peu la dèche quand même. C'est sympa comme tout. Je vais aller où au fait ? Ah, du moment qu'il continue à manger, moi je m'en fous. Hein. C'est tout noir. Ah oui, vous voyez rien. Ah merde. La 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 la. Appelez les ennemis. Ouais, non, mais non. Je vais pas les appeler. C'est débile. Ah si, j'ai pas le choix, d'accord, ok. La 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 la. Ah, ah, il fallait pas courir. Waouh, ça fait peur. Est-ce que tu dis ta force de la nudité? Absolument, absolument. C'est pour ça que la séance de Ring Fit, je la ferai forcément tout nu, je pense. Bon, allez, mangez. Faut manger. Faut manger pour être grand. Voilà. Ah! D'accord, faut remplir. Ah, je connais bien ça. En appuyant au pif, ça va marcher. Merde. Ah, on peut appuyer sur les. D'accord. Morceau de lettre 3. L'air et tout. Oh, bouteille. Ah, mais c'est bien ça, bravo. Oh, mais oui. Une bouteille. J'en aurais qu'une. Hein. Attention. Alors, comment dire que je vais essayer de t'attirer. Tu vas aller voir ton pote là. Voilà, c'est très bien. Ma chérie, c'est parfait. Ok, alors nous avons des choses à faire.
En restant accroupite, bien sûr. Et là, ça va faire... Pardon pour le micro. Et point de contrôle. Ta Il y a un peu trop de monde. Je dois aller où? Merde, j'ai rien. Ah non! Ah, c'était la base, en fait, je pensais qu'il y avait... Mais non. D'accord, donc c'était pas du tout par là. Oh là. Ça va être chiant. Et c'est parti. Donc je vais aller par là. Non, on va aller par là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah c'est pas par là. Ah merde. Wow. Mais je comprends pas. D'accord, donc il faut attendre que ça s'ouvre, il faut les... qu'il aille s'enfermer là-bas. Ah, y'a que ça à faire, hein. Moi, je vois pas ce que je peux faire d'autre. Et merde. Mais je fais quoi? Je fais quoi quand je suis ici, bordel de merde? C'est pas très clair, hein, vous en conviendrez. D'accord, je peux utiliser la lampe, ils s'en foutent, ils sont vraiment aveugles en fait. Il faut que j'aille là en fait. Ah putain. Oh, ça me stresse. Ah non, je pense que ce week-end je vais faire des trucs. Enfin, je vais voir si je vais. Putain! Je suis pas là. Ah putain, c'est stressant, putain. Bon, c'est le but, hein. Ah, je disais, je pense que ce week-end je vais faire des.
Je sais pas, peut-être que je ferai un peu de montage, mais je pense que je ferai aussi des trucs pour pimper la chaîne Twitch. Ça, ce sera pas vraiment du boulot, quoi. J'essaie de voir si je peux faire des trucs pour les pour les points de chaîne, les nouvelles alertes, des trucs comme ça. Putain ta mère. Docteur ta mère. Youhou ! Je suis passé. Mais c'est juste une bouteille. Si vous voulez que ça me foute. Faut que je collectionne les bouteilles, c'est ça ? On peut pousser ça. Ah bah c'est bien. Ah bah bravo. Bah c'est parfait. Je peux les défoncer à coups de poubelle quoi. Moi je veux bien. Pourquoi elle a pas voulu lancer? Pourquoi tu veux pas lancer? Putain. Allez, on s'en fout, on lance pas. On n'a pas besoin de lancer. Tout de même. Ils sont bien les DLC du coup. Bah écoute, c'est sympatoche. Ça propose un autre gameplay. Pour le coup, c'est... T'as un peu l'impression de jouer à un autre jeu, donc c'est... C'est sympa. Ah, c'est pas fini. Je viens de remarquer sur ta vidéo ton t-shirt Full Metal Helmet. Oui. Oui, c'est ça, sur celle de Sonic, oui, c'est ça. Ah ah ! Enregistrement. Ah. Kidman, Julie, je vois que vous avez un palmarès remarquable. On vous a appris à lire à l'Académie de police ? Impressionnant. Je me passerai de vos commentaires. Où est-ce qu'on est ? Qu'est-ce que je fais là ? Vous avez été arrêtée, mademoiselle Kidman. Vous êtes actuellement en détention. Je pensais pourtant que c'était évident. Je suis détente d'eux. Parce que j'ai demandé. Détendez. On vous fait pas asseoir dans un fauteuil avant de vous envoyer en prison. Pas d'adresse fixe, seule depuis l'âge de 14 ans. Une fugueuse apparemment. C'est surprenant que vous ne soyez toujours pas revenue dans le droit chemin. Une jeune femme aussi débrouillarde que vous aurait dû se reprendre en main depuis longtemps. Question. Tu veux dire que je me branle pas, c'est ça? Vous croyez que je regrette de m'être fait prendre? Au moins, je serai nourrie en prison. C'est tout bénef pour moi. Et si je vous disais que les choses pouvaient changer? Vous êtes intelligente, vous n'avez rien à perdre, aucun proche. Ce genre de qualité pourrait vous offrir des opportunités très spéciales. La chair à canon? Mmh, super. Vous me proposez un marché en échange de ma liberté? Pas tout à fait. Mais ça y ressemble. Je vous écoute. T'as fait de la prison? Oh la vilaine! La grosse vilaine! Elle est pas belle! Elle est pas gentille! Oh là, j'ai cru que ça allait me compresser la gueule! Oh, scandale Tate! Vous avez un cancer! Insubordination. Il doit y avoir une erreur. Enfin bref. Deux subordinations, s'il vous plaît. Une pour moi et une pour mon ami. Voilà. Et maintenant, je peux faire ça, c'est ça? Superbe. Mais c'est superbe. Et là, il va y avoir un truc dessus, non? Et éteins ta lampe, par contre, hein, ça me stresse. Ah!
qu'on a fait demi-tour. Eux, ils vont se lever, non? Non, ils se lèvent pas. C'est bien, tant mieux. Titi-tui-tili. Il n'y a plus besoin de faire ça, hein. Non. Complète. Titi-tui-tili. À toutes les femmes, prenez-vous en doigt. Tous les hommes sur le chat, prenez-vous en main. Mais Pierre, tu fais des appels au sexe. Je me barre. Voilà, c'est mieux. J'ai eu peur quand même, dis donc. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui joue avec l'ascenseur? John, c'est vous? Monsieur McLean? On a dit qu'on arrêtait avec les ascenseurs. Regarde ma bouteille, moi. Attention. On va sauvegarder avec le petit chat. Maman, ma maman aime tes vidéos. Merci. Merci à ta maman, c'est gentil. Tu lui feras un bisou. Ma maman, c'est gentil. Enfin, sauf la maman de mon père, mais... Et c'est parti, reparti. Allez, on caresse. Je peux... Ah, il faut que je me lève. Ah oui, parce que sinon, on n'en peut plus des petits chats. Tu expliques mieux que moi. Bah, j'ai pas encore expliqué techniquement ce que c'est un mème. J'ai pas encore fait la vidéo qui me vaudra ma renommée nationale. Le côté insolent de Popol. Il est pas insolent, c'est juste un connard, c'est tout. Où sommes-nous? Alors, il y a une lumière rouge. Oui. Ça sert à quoi les lumières rouges? D'accord, c'est rien. J'ai de l'autre côté. Bon, ça a l'air d'être une phase où je peux m'amuser. Il y a que dalle. Ok, très bien. On regarde, on fouille, on sait jamais. Moi, j'aime fouiller. Ah. Si je suis annulé, ils sont toujours appuyés. Ah oui. Il faut que j'ai des appuis. Il y en a qui sont légèrement verdâtres. J'ai l'impression, non? Est-ce que... Ceux-là, ils sont pas verdâtres. Il doit y avoir, quelque chose quelque part. Quelqu'un quelque part doit savoir. Oh, dis donc! Ah non, c'est AG. Ah, ils ont fait m'avoir. Alors. Bonsoir, Célia. Ça fait longtemps, dis donc. Il y a un singe. Pourquoi il y a un singe? Et ça, c'est quoi ça? T'en vois rien. Ah, c'est un calendrier, d'accord. Il y a quelque chose qui va m'aider. Pour résoudre le mystère. J'ai besoin de résoudre les mystères, s'il vous plaît. Pas sûr de...
sûr de ce que je fais déjà. C'est les mêmes trucs tout le temps. Et y a rien qui me dit. Ah, ça m'énerve. Chut. Il y a le petit singe, hein. Je sais pas ce qu'il fait, mais il y a un petit singe. Il ramène des trucs. Hop, hop, d'accord. Que dalle, mon cul. Ce genre de rire qui mêle. Ah, c'est un rire. Moi, je crois que c'est un petit singe. C'est bizarre. Y a rien qui m'explique comment faire. Enfin, le week-end, c'est l'IA. Cool. C'est vrai, c'est bien le week-end. C'est bien quand on se dit qu'on est en week-end, c'est bien. Ça fait du bien. Hein. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait tomber les trucs? Arrêtez de faire tomber les trucs. À la recherche d'un indice que jamais il ne trouva. Moi, je suis pas en week-end, nous dit Ferunox. Et bah, c'est tant pis pour toi. T'avais qu'à être en week-end. Ouais, c'est moi qui marchais sur un truc. Ah, d'accord. Putain, mais faut arrêter. Ah, dis donc, je crois que c'est là. Ah, ok, j'ai compris. Ouais, j'ai eu l'indice. C'est cool. Grâce à la lumière de l'amitié et de l'espoir. Alors, donc c'est... Ok, ok, on va déjà faire ce... Ok. Je suis en train d'oublier. Je suis en train d'oublier. Je suis en train d'oublier. Ah, ah, ah. Ensuite il y a ça et ensuite je crois que c'est ça. Attendez, je me souviens plus exactement. Ah, je fais de la merde, merde. J'ai fait de la merde ou quoi? Ah, j'ai fait de la merde. Tac. Tac, tac, tac. On va pas courir, s'il te plaît, bichette. Ah, merci. Attends. C'est pas l'heure de jouer au memory, hein, sincèrement. Elle est déjà crevée, mais non. Oh, mais non! Je suis mauvais, là, hein. On est d'accord. Il y a juste celui-là. Ah non! Attends. Voilà. Voilà. Oui! C'était le plus simple de tous ceux que j'ai fait jusqu'à maintenant et c'est celui sur lequel j'ai le plus galéré. Alors, qui c'est qui joue avec le matériel? C'est Sébastien et Joseph et Belle. C'est Belle et Sébastien, ils sont montés dans l'ascenseur. J'aime pas quand je vois des câbles. Ils sont morts. Mais ils peuvent pas être morts. C'est des héros. Enfin, Joseph, non, mais... Ah, bonjour. Les patients sont de plus en plus incohérents quand ils sortent du stem. Leur pathologie semble maintenant être amplifiée par l'expérience. Pire encore, les patients semblent ressentir les traumatismes psychologiques des autres. C'est comme si les peurs les plus profondes du sujet subsistaient dans l'encéphale du système, même après la fin de la session. Le plus inquiétant, ce sont leurs derniers témoignages.
Tous les patients prétendent avoir vu un individu encapuchonné s'approcher d'eux. Est-ce que ce serait lui ? Sa conscience existerait dans le système comme un fantôme. Je n'avais jamais ressenti une telle curiosité. Je veux savoir. Je veux voir ce qu'il voit. Mais c'est trop risqué pour l'instant. Les vrais héros ne meurent jamais. Et oui. Comme Emmanuel Macron. Alors, c'est coincé. De l'armée, on veut des soldats. Les héros, il y en a plein les cimetières. Oh, c'est... C'est pas dans Rambo, ça? Ça parle politique. Ah ouais, tellement, ouais. Je parle tellement politique. Moi, je suis tellement politique, regarde. Je suis un politicien. Un politologue, même, d'ailleurs. Même que des fois, je fais de la géopolitique. Et même que je parle tellement de politique, en fait, que... qu'indirectement je donne des consignes de vote et que je vais prochainement inviter des candidats à la présidentielle. Je prévois de faire un stream avec Manu, enfin le président Macron comme vous l'appelez vous autres, et je me demande à quoi on va bien pouvoir jouer. Ah non, c'est va falloir se cacher. Oh non! La lampe Pixar, le retour, putain, fait chier! Pixar roule 34, le retour. Ouais, attends, il faut que je bouge. Donc, ce qui se passe, il faut que je fasse un truc. Il est là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Merde, ça lui fait pas mal, putain. Vas-y. Ah, merde, putain. Ah mais si ça met 3 plombes aussi. Bon, on commence. J'ai pas le choix. On va se cacher, vite. Bah non, on sait pas où ça arrive là. Hein. Ouais, si proche du but. Non, c'est clair, j'ai fait le con sur la fin. Ah, c'est vrai, il arrive par là. Laissez-moi bouger. Je suis où? Ah putain, mais voilà.
On peut se contenter de faire ça, c'est bien. Bon, elle est où ? Ah putain. Alimentation établie à 50%. Ah merde! Ah putain! Ah non, j'y arrive plus! Fais chier, j'y arrivais tellement bien au début. Dis donc, c'est... Les petits soucis, les petits soucis avec ton clavier, c'est lié. Serais-tu pas sur ton téléphone? Heureusement que c'est le week-end. Alors vite se mettre là. Hop, je suis caché. Une erreur est survenue. Veuillez attendre le rétablissement de l'alimentation. Ça, c'est les week-ends à l'Élysée, hein. Vous avez vu Brigitte comment elle finit à chaque fois? Faut être sur le coup. Faut être sur le coup. Merde. Non. Elle est où, putain? Merde. Ah non, 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 mais non, j'ai... À mon avis, c'est parce que je suis énervé. Ah mince, qu'est-ce qui se passe? Travail de groupe qui n'avance pas. Qu'on a dû refaire 3 fois. Et jamais content de ce que je... Ah. Eh, les joies du travail en groupe. Bon, écoute, c'est le week-end. N'y pense plus, détends-toi. Pas jusqu'à ce que ça rentre. Mais non, c'est pas le message qu'il faut véhiculer. Putain, je suis vraiment nul, hein. Ça m'énerve, j'ai failli le réussir la toute première fois, toute première fois. Vous avez vu ce qui se passe? Je fais de la merde. Oui, on envoie du courage. Putain, mais... Faut se calmer, putain, merde. Ah, vous entendez, elle dit Leslie.
Leslie. Leslie. Alimentation établie à 50%. Leslie. Leslie. On va passer de l'autre côté. C'est pas une bonne idée de passer de l'autre côté en fait, parce que je peux pas faire le tour par là. Je refais la même erreur que tout à l'heure. On est d'accord. Oui, je sais, mais je perds la... Elle est où? Brigitte, t'es où? Merci de votre patience. Oui, de rien. C'est ouvert? Ah, putain! Merci de laisser cet appareil aussi propre que vous l'avez trouvé. Notre lieu de travail est toujours accueillant, grâce à vous. Oh, tu m'étonnes, c'est tellement accueillant, on se croirait dans Animal Crossing ici. Courage, merci pour le courage. Dans un mois, c'est fini, je la vois plus. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Le courage. Le bon gros courage. Et après toute cette expérience de merde sera derrière. J'ai du mal, hein. La porte est là. Merci. J'ai vu le best-of pour l'acte tu m'aimes, c'est chouette comme vidéo. Ah bah, merci. Ça fait plaisir d'avoir des retours. Appliquer. Tiens bon, j'arrive. Je réplique, pas de soucis. Juste... Oh! D'accord. Ah, ça va. Il y a un truc qui va sortir de là encore. Non? D'accord. On trouve des... On essaie de trouver des nouvelles combines pour... Pour rendre la chaîne YouTube active et pour essayer de rétablir une relation saine entre mon public et moi et entre YouTube et moi surtout. Il voit pas? Ok. Ah, c'est l'angoisse. Mobius, alors il vous envoie chercher le garçon. Et vous les croyez? Réfléchissez un peu. Vous êtes aussi superflu que vos partenaires. Tout comme je l'étais, après tout ce que j'ai fait pour eux. Il y a de l'eau là. Vous serez moins loyal quand vous saurez. Oui. Ne préférez-vous pas ignorer des choses qui vont sans aucun doute vous perturber? Non, Iron Man, merci. Chapitre 1 terminé. Putain, il y a combien de chapitres? C'était juste le chapitre 1, hein, merde.
Je sens que ça va encore prendre un moment.